Je suis en train de chercher de la zizique. Donnez-moi 2 secondes. Ça se peut que vous entendiez mon chien qui râle. Il fait extrêmement chaud aujourd'hui. C'est à mourir. Voilà. Ah voilà, je vais le sortir quand même. Ce sont les musiques de RimWorld que nous allons écouter en faisant Squalala. Ah mon dieu, on vient de commencer déjà un squalala en plein dans ta gueule. Fait par Fragilities. Merci à toi de me squalalater. Oui, j'ai échangé quelques petits trucs dont dans son œil, parce qu'il était trop rouge, puis j'aimais pas que, je sais pas, il fitait pas, je trouve. Maintenant, si on enlève les effets, là, je sais pas. Vous pourriez, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Vous préférez, voilà, full lighté ou. Moi, sérieusement, je le préfère un peu plus foncé. J'ai baissé un petit peu la musique parce que je me disais qu'elle était peut-être un petit peu well, un petit poil trop fort. Moi, je peux pas vraiment la baisser plus que ça. Ouais, à part comme ça, voilà. La baisser un peu tout de même. Bon. Donc, j'ai travaillé, voilà. Fait que le coup, il est fait. En entier. J'ai même commencé à travailler. Vous avez vu, j'ai commencé à travailler sur la crête. Là, lui donner un aspect un peu plus... là, c'est, j'ai fait une des espèces de lignes. Pour qu'il paraisse plus comme... t'sais, une texture de peau un peu étirée. Là, pour lui donner une sorte de veinure. Puis, vous voyez, je suis revenue travailler ici. Là. Toute cette région-là, là. Tout ça, je suis revenue travailler ça ici. Pour qu'on ait plus l'impression que ça. Que sa chair, à, je sais pas, comme. Pas qu'elle pourrit, mais tu sais, que tu vois qu'il y a comme une démarcation dans sa peau, mais que ça vient quand même de sa peau qui a comme une décoloration et non comme une crête. Comme une aigrette de poisson, tu sais. Fait que. Vous voyez pas là, mais mon chien, il est juste en bas. Voilà, il est totalement crevé. Il en peut plus. Mais je le comprends, il fait vraiment extrêmement humide. C'est chaud, c'est pesant aujourd'hui. Je risque peut-être pas de travailler très longtemps. Parce que c'est crevant dans le bureau. Et puis en plus, ce soir... ben, moi, ça va être en soirée. Pour vous aussi d'ailleurs. Moi ça va être à 4 heures. Et donc dans mon après-midi, on fait. Mais à 22 heures chez les Français. Fait que. On va faire Ara P4 avec la guilde des Cétouilles. On va continuer à travailler là-dessus. Non, en fait, on travaillera pas là-dessus du tout. On avait commencé saccage thoracique, là. On va continuer là-dessus, je pense. On va faire le tracé. Ah, je suis sur peau. Ah, nul! Voilà.
Donc, on va essayer de travailler ça pour que ça ait l'air d'un os aussi, fait que, t'sais, comme qu'est-ce qu'on avait fait ici, là. On va venir leur travailler. Je vais venir juste assombrir les zones que j'ai l'impression qu'on va en avoir. Avoir une zone bien, bien sombre ici aussi. Ben, bien sombre. Ah oui, je vais faire un truc, c'est que je vais switcher le chat de côté. Voilà, parce que je regarde moins de ce côté-là de mon écran que bon, bah. Cherche, je sais pas pourquoi. Là, par contre, on va en faire l'étendard niveau 4, s'il vous plaît. Et en passant, ce n'est pas un noir que j'utilise. C'est un brun. Je vous le montre là. C'est un brun dans les rouges en plus. J'utilise jamais vraiment noir, noir. J'utilise des gris. Mais ça dépend aussi de quelle couleur que je travaille. Ça, c'est une astuce qu'on me donnait quand que, justement j'ai fait des cours en 3D et tout. C'est que normalement, on n'essaye pas de mettre des zones de noir pur. Même en lumière, là, surtout, là. Le moins possible. C'est la peau en dessous là, qui a besoin de. Je viendrai retravailler. C'est quoi ce layer en fait? Si je fais ça, non. T'es quoi, toi? Ah oui, c'est la partie muscle qu'on avait changée parce qu'avant il était comme ça, puis après on a décidé, pouf! Cuisine. Puis on a décidé qu'on la faisait comme ça parce que ça faisait. Ouais, on va juste. Je vais juste la merge down parce que c'est. Je reviendrai pas sur l'ancien produit, je l'aimais pas assez. Donc, continuons dans le loss. Là, la vraie technique, c'est de venir vraiment avec l'étendard, vraiment venir sur le bord et jamais dépasser en fait. Fait qu'on vient vraiment sur le bord. C'est comme ça qu'on arrive à quand même garder une ligne propre. Ah, il mouille, on respire pas bien. En plus, là, il y a des feux de forêt en Ontario, là, fait que j'ai mal à la gorge. Il y a des journées où est-ce qu'on a vraiment beaucoup senti la boucane, là, puis pourtant on est loin, là. What? Qu'est-ce qui manque ici? Il y a quelque chose qui manque. Moi, j'aime pas trop le résultat du dessous, là, mais ça. J'irai leur travailler au pire. Quand on sera rendu, là, c'est juste vraiment parce que la ligne me dérange plus qu'autre chose. Et puis, de toute façon, là, on va venir faire une ligne de blanc sur le rebord de l'os, justement, pour pas que. Ben, en fait, pour donner encore plus de volume à l'os. Mais, ouais, c'est ça, il y a blanc. Là, j'utilisais blanc pur, hein, à cette place-là. Je pense bien que c'était du blanc pur. Ouais, c'était ça. Puis on va y faire une vraie bordure qui a de l'allure. Voilà. Puis on va même venir en mettre une ici.
ça rose la ligne du fond, tu sais, sans avoir obligé de repasser dessus. C'est juste qu'elle était un peu trop ferme à mon goût. Voilà, pour venir faire une belle zone d'ombre ici. N'oubliez pas qu'on a un Discord de la commu, gang. Fait que si vous voulez vous ajouter, vous allez. Normalement, il est dans À propos. Si vous êtes seulement sur Twitch, sur ordi. Mais si vous êtes sur votre tablette ou votre téléphone, normalement, vous devriez le trouver même sur la page principale. Comme on le voit en tout temps. Je regardais quelle était ma ligne de dessous, de dessus. Donc ça, c'est en dessous. Parce que le volume, il est là. Ouais, avec la ligne noire en dominante, c'est peut-être pas vraiment ce que je voulais. Mais je comprends ce que j'ai voulu faire comme en premier, là, c'était vraiment pour venir faire une zone d'ombre à l'os. Mais c'est parce que j'aurais pas dû le gérer avec ma layer d'os, j'aurais dû le gérer avec une layer d'ombre séparée. Mais c'est pas grave, là, ça, je suis capable de changer la chose. On voit ici, ça a quand même plutôt bien marché. Et là, on va chercher notre plat. Je vais vraiment venir mettre une toute petite ligne ici. Et voilà. Pour donner une impression que c'est pas rond, mais vraiment qu'il y a vraiment plus de pointu. Parce que la côte, déjà en elle-même, elle a une rondeur, tu sais, elle a déjà une courbe. On va venir rajouter des pointes comme ça, ici. Tout là. Voilà. Ici aussi. Putain, j'ai fait une ligne pas très droite. Je veux pas que la ligne que j'ai mise apparaisse trop, donc je vais la tomber quand même beaucoup. En utilisant toujours la même technique que je voulais, c'est-à-dire pas dépasser la ligne, la dernière ligne de couleur en fait. Mais ça, c'est ma technique personnelle, là. C'est vraiment ce que moi j'ai développé. Je sais pas.
sais, pendant un temps, je regardais beaucoup ce que les autres artistes faisaient. Mais je trouvais pas que leur technique me collait, en fait. Fait que j'ai pris un petit peu de certaines techniques que j'aimais bien. Je les ai combinées aux miennes. Voilà, on est capable quand même de faire de belles courbes comme ça. D'accentuer mon rebord. C'est le titan colossal? Non! Ça aurait pu, ouais! J'avoue qu'on est presque proche du design, mais non, check. Je vais te le montrer, tu vois. C'est pas un titan. C'est un dragon! Pour ça, DCN, dragon de chair noire. Mais finalement, sa chair est rose. Mais c'est un dragon noir, donc un dragon obscur fait de chair. Ouais. Quasiment limite le classer nécro, dragon nécrotique. Mais ouais, j'étais en train de faire ta cage thoracique. Ça sort quand même bien, je trouve, cet effet d'os comme ça. Là. On dirait que les l'os, ils ont plusieurs couches.
comme s'il était mal formé, tu sais. Enfin, je trouve ça chouette. Je voulais accentuer ça aussi. Je sais pas trop quel genre de projet que je vais faire avec celui-là. J'ai réfléchi encore, là, mais c'est clair que je vais faire sûrement un projet avec moins d'étendard. On va se servir moins de cet outil-là, en fait. Peut-être qu'il va être juste au crayonnage. Quelque chose de bien sharp. Je sais pas encore. J'ai pas trop réfléchi. Venir définir la ligne ici, là, était vraiment brouillonnée, elle avec. Là. Voilà. Parce que là, la grosse trace de noir qui est ici dans cette région-là, là. Excusez. Cette région-là, cette trace de noir-là, c'est pas sur la layer des os que ça se fait, c'est sur la layer de la chair. Donc, je viendrai ça la corriger tantôt. Je vais juste me déplacer. Ouais, fait qu'on va essayer de reproduire. Je vais le faire avec le blanc. Voilà, en faisant une espèce de triangle, ça devrait venir accentuer. Même ici, là, j'aurais pu faire ça. Tout de même. C'est léger, léger la petite trace de noir que j'ai mis là. Voilà. Pour accentuer la pointe encore, là, je préfère la même chose ici. Une petite ligne de noir là aussi. Ah, j'ai un cheveu qui me rentre dans l'oreille. Hey, salut! Sur quoi je travaille? Sur le dragon. Sur le dragon de chair, comme d'habitude.
Mais t'étais jamais venu me voir en stream pendant que j'étais en train de le faire? J'étais sûre que tu l'avais vu. Mais là, le coup est fait. Le coup est fait, je suis revenue travailler sur la barbiche. Je vais sûrement faire en off tout ce qui est la membrane. Le truc bleu là, que vous voyez en dentelle. Là. Ça, c'est toutes ces membranes. Ça, je vais sûrement faire ça comme de mon bord. Pour aller chercher les effets d'ombre et de lumière. Ah ouais, t'as manqué tous les streams d'or, merde! Toi qui apparemment... tu travailles-tu toujours là-dedans? Truc artistique. Tu faisais quoi de la 2D? Ah putain, c'est encore la peau en dessous. J'aurais jamais dû venir mettre cette ligne de brun dégueulasse. Va falloir que j'aille la corriger, là. Sûrement aller juste remettre la couleur peau normale, finalement. Bon, on va venir la redéfinir. Voilà, parce que je veux une belle ligne. Tout de même. Merci. Moi aussi, je le trouve pas pire, mais tu sais, on a travaillé beaucoup, beaucoup, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup dessus. Puis sincèrement, là, c'est pas ma meilleure idée de vouloir, tu sais. Je sais pas si t'as vu la peau, là, mais check des alvéoles, là, j'en ai mis genre vraiment fucking partout. Juste cette partie-là, mon gars, là, ça a dû me prendre quelque chose comme plus que 6 heures. Ça doit me faire 3-4 jours. Juste pour faire tout ça, là. Puis venir définir les muscles, le petit glowing de chair au travers, tout ça, là. Mais c'est fou comme j'ai évolué depuis le temps qu'on s'est connus, là. Ah mon dieu, il se m'a mouillé d'enfer. Il fait chaud! Tu restes-tu encore en Abitibi, en région? Ah non, je crois qu'il est trop sombre. Qu'est-ce que je vais faire ici? Ah oui, faut que je fasse une ligne. Tac, comme ça. Ah ouais, wow, t'es encore à l'université. Deuxième bac, GG. Je sais pas comment tu fais pour rester à l'école aussi longtemps, moi je suis pas capable. C'était rendu que ça me donnait la nausée d'y aller à l'école. Mais bon. Je m'en sors pas pire. J'ai eu le temps de travailler comme graphiste. Puis dans le fond, la seule affaire qui m'empêche d'avoir un emploi, c'est que avec ma spondylodiscopathie, ça me permet pas tout le temps. Tu sais, je suis pas tout le temps en forme tous les jours, là. Il y a des journées où est-ce que c'est l'enfer, là. Mais tu sais, j'essaye au mieux de. C'est pour ça que des fois, mes streams sont un peu décalés, là. Tu sais, j'ai l'horaire, mais j'essaie de la suivre au mieux, mais quand je fais le pas, gars, je peux pas, tu sais. C'est la vie, malheureusement. J'ai juste envie de faire un petit détail comme ça. Juste comme ça.
comme justement que c'est pas symétrique, t'sais, on voit pas l'autre côté, je peux me permettre de faire des trucs hyper complexes. Ouvrir un shop en région. Tu veux ouvrir quoi comme shop? Un shop de jeu? Un shop de quoi? T'as-tu un cours en entrepreneuriat général pour ouvrir un shop? Parce que moi j'en ai fait un, mais il date, là. Il commence à dater. Même s'il y a bien des notions assez simples que c'est bon à savoir, là, avant de se lancer dans le vide. C'est vrai qu'il y a plein de subventions pour le développement en région, t'as bien raison. Moi, je te dirais que ça m'intéresse toujours le jeu vidéo. Peut-être plus le 2D, mais je suis vraiment plus dans le artwork, comme tu peux le voir, là. Pour donner des bonnes idées, je suis toujours là. T'as-tu Photoshop? Je voudrais juste savoir c'est quoi toi ton outil préféré? Remarque que même si t'as pas Photoshop, il y a des outils qui se ressemblent. Ouais. Mais pourquoi? Pourquoi tu utilises le moins souvent les... J'imagine que t'es plus dans le FX, mais... Ben, je veux dire jouer avec les FX, hein? Mais tu utilises quoi comme outil d'abord quand tu fais de l'artwork? Une broche opaque qui finit en pointe. Là, j'ai jamais vraiment réussi à m'adapter à utiliser les autres broches, mais peut-être justement dans les prochains dessins que je vais faire, je vais m'en servir plus. Mais là, tu vois, je suis comme à fond dans l'estompeur.
Je sais pas, ça me fait penser un peu comme quand tu travailles l'estompeur, là, ça me fait vraiment penser à l'estompeur comme dans la vraie vie, là, acheter un estompeur. J'en ai-tu un pas loin? Oui, j'en ai un. Il est lait, là, parce que il a full de. Il a full de plomb après, là. Mais un estompeur comme ça, là. C'est en fait, c'est du papier. C'est un rouleau de papier que vous servez comme pour estomper votre crayonnage au plomb. Mais moi, c'est comme. Quand j'ai découvert cet outil-là, j'en suis tombée amoureuse, mais de quoi de fou, là. Il y a plein, plein de trucs que j'ai fait avec ça. Je trouve ça génial. Oui, il a du vécu pas mal celui-là. Mais j'en ai un autre aussi qui était plus petit. Mais je crois que je l'ai donné à ma soeur, je suis pas sûre. J'en avais un plus mince, parce que je sais que j'en avais deux. À moins que je l'ai tellement usé l'autre qu'il n'existe plus. Ça aussi, ça peut arriver. Servir de. Mais oui, je sais que je devrais pas trop me servir de l'estompeur. C'est ce que tout le monde dit, mais en même temps, tu te dis, ok, mais il faut trouver un peu sa technique, sa propre technique, parce que tu sais, déjà avec la peinture, tout le monde te dit, ah, faut que tu arrives à trouver ta propre technique, et tout, puis même au crayonnage, tu sais, c'est long de commencer à trouver quelque chose qui fait vraiment comme, hey, ça, c'est vraiment moi, puis tu sais, quand tu dessines, les gens font comme, hey, ça ressemble vraiment à ton style et tout. On parle pas juste de genre de choix de ok ben je dessine des dragons. Parce que il y a aussi ça aussi, qu'est-ce que tu veux dessiner comme truc. Ah oui, mais c'est sûr que juste quand tu veux faire du ciel, des trucs comme ça, c'est sûr que ça va super bien. Puis que pour vrai, la meilleure façon de faire, c'est vraiment genre d'arriver. Puis admettons, quand tu veux faire des étoiles ou des trucs comme ça, tu viens juste tic-tic-tic-tic-tic avec ton crayon ou tu fais juste des petits points partout. Puis après, si tu arrives avec ton FX, pou-pou-pou, tu l'ajustes comme tu veux, tu fais des étoiles et tout ça. Celui-là, comment on va le faire? Parce que je tiens pas vraiment à avoir une continuité exactement pareille, vu que, comme je te dis, il est mutant, là. C'est comme s'il en avait mangé une claque, là. J'aime bien ce petit effet, fait que je pense que je vais en faire un ici. Ça, je vais les garder, là, le principe des deux points que j'ai mis partout, là. Ah, je veux juste. Même s'il n'est pas pareil. J'utilise de la désasymétrie, c'est des trucs non symétriques. Toi, je me souviens pas, t'avais-tu fait un cours d'art comme celui de ma sœur, là? Ou t'es vraiment comme allé dans une spécialisation, là?
Oh là là, il a l'air d'avoir chaud, mon bedou. Oh, c'est l'enfer. C'est dommage parce que je peux rien faire pour lui, non? C'est juste qu'il fait tellement, c'est tellement étouffant, là. Je donne des glaçons. C'est pas mal ce que je fais. Il boit beaucoup. Je pense qu'il se déshydrate pas, non? Un cours global en art visuel. Je crois que ma sœur a fait la même chose. Même si que là, c'est un cours en archiviste qu'elle fait. Je pense qu'elle a en fait son cours d'archiviste. Je suis pas sûre. Mais tu sais. J'oublie que j'ai une sœur, mais moi aussi, des fois, j'oublie que j'ai une sœur. Je la vois pas souvent, puis quand j'y écris, ça peut prendre des mois à me répondre, donc je me dis, si tu dis rien, tout va bien. Donc, c'est l'impression que ça donne. Mais tu sais, j'ai une drôle de relation avec ma sœur, mais ça veut pas dire que je la déteste, non. Mais tu sais, il y a un truc qui disait en art visuel que quand ma sœur m'a dit ça, moi ça m'avait choqué. Ça, ben, si tu regardes les autres vidéos, là, je sais que ça va faire comme si je me répétais, là. Mais il y a beaucoup de profs d'art qui arrivent puis qui disent ouais, ben tu sais, si c'est de l'art, faut que tu aies un concept et tout, et blablabla. Putain, moi je trouve ça super chiant d'avoir un concept à sortir pour un œuvre puis dire qu'après ça c'est de l'art. Tu sais, l'histoire de la banane sur le mur, là. Je parlais avec Christian Ponton, qui est un artiste de la région. Puis, il disait, toi, t'es-tu comme ça? Tu sais, tu fais-tu des concepts et tout? Puis, il fait non, pantoute. Il dit, OK, crime, ce serait ben trop plate puis chiant si je commençais à faire des concepts. Tu sais, ça brime ton art personnel, là, en fait. Je sais pas. Je trouvais ça bizarre. Puis, quand que la banane sur le mur s'est sortie, c'est la banane tapée sur le mur. On était comme tabarnak, esti. Genre quelqu'un qui a voulu tellement déconner, puis là c'est passé, puis c'est devenu un hit. Puis on fait, il y a personne qui se force le cul pour crisser une banane avec du tape sur le mur là. Comme ça suffit là. Puis je veux bien croire que tu veux faire un, tu veux mettre un message, mais écris dans le journal puis fais une caricature, puis ça va faire pareil. Là. Désolée. Je sais pas si tu penses comme moi ou si t'es comme, ok, c'est juste bizarre, c'est vrai que c'est bizarre. Oh shit. Ah merde! Voilà. Fuck le concept, exactement, merci! Hey, je vais piner les messages parce que depuis tantôt, t'écris, mais. La chatbox. Poup! Voilà la chatbox pour les gens. Comme ça, au moins, quand je serai dans la rediff, elle fera pas comme OK, ben elle parle tout seul. Non, je parle avec les gens sur le chat. Donc, fuck le concept. Ouais. Ouais, c'est vrai que. J'aime vraiment ce que tu dis parce que pour vrai, le fait que tu es obligé de justifier ton art, c'est comme pour dire, OK, c'est quoi, je suis pas assez bon, c'est pas assez beau, tu sais, l'image en tant que telle, là, si tu regardes le truc puis ça fait, waouh, as-tu vraiment besoin d'un concept après ça pour t'expliquer puis dire que oui, c'est parce que les nuances de bleu, c'est pour représenter.
Sans coller, si l'effet final, c'est le wow. C'est un wow, ça s'arrête là, tu sais. J'ai un truc bizarre ici, puis ici aussi. Ah, j'ai des trous. Ah, je viens de voir, j'avais des trous dans mon ossature. Ouais. L'espèce de justification de l'art, je trouve que c'est tellement n'importe quoi, puis c'est une vieille façon de penser. Tu sais, l'art, ça a jamais été une question d'intelligence, là. Genre zéro. Ça a jamais été une question d'intelligence. T'es comme moi, je sais pas si tu fais de la dyslexie toi aussi, mais il me semble que oui, hein. Tu avais des difficultés à l'école, un peu comme moi. Mais, tu sais, t'es là, puis tu dis, ok, faut que je me trouve un concept et tout. Va chier avec ton concept, là. Mais ça, quand t'as une idée, t'as une émotion. Ben, même pas obligé de réinventer une émotion. J'ai aucune émotion en faisant ce dragon-là. Je le fais, puis je fais juste comme. Il est beau. Et je suis fière de moi. Et puis c'est tout. Ça. Tu le sens que ça me choque. La banane sur le mur, là, on était comme. What the fuck? Qui a pensé à ça? Comment ça s'appelle ce style d'art-là? Là? C'est l'art qui, tu sais, qui dure pas longtemps, là? Éphémère, l'art éphémère. L'art éphémère, là, c'est genre des constructions sur le sable. Ça, c'est de l'art éphémère. Du construction, des dessins faits avec du sel. Ça, c'est de l'art éphémère. Puis il y en a des crises de beaux en plus. Mais quelqu'un qui tape une banane sur le mur, c'est juste quelqu'un qui veut attirer l'attention, selon moi. Puis je reviens pas que ça a été noté, qu'il y a quelqu'un quelque part qui a fait « Ça vaut des millions! What the fuck? Un singe ferait de l'art, ça vaudrait plus des millions qu'une banane. » Parce qu'il y a un procédé créatif, même si le singe doit juste s'amuser, mais t'sais, vous comprenez que l'art, ça a jamais été une question d'intelligence, mais de mettre une banane sur le mur, c'est comme... C'est bizarre. C'était quoi le message? À croire que tu sais, c'est un peu genre un délire, tu fumes un joint de. On va dire que c'était ça. Est-ce que tu l'as vu la vidéo avec le mec qui disait là, on va joindre avec des berlingots de lait. Ok. Ça ressemble pas mal à ça. Une crise d'attention. Donc, la fin de la fin ici, comment qu'on l'a fait? Ah, peut-être plus comme une pointe. Ah, il pleut, je sais pas si on l'entend. On l'entend pas, mais il pleut à fond. Je vais juste prendre 2 minutes, faire le tour de mes fenêtres, parce qu'elles sont carrément toutes ouvertes en ce moment, parce que vu qu'on crève. Et je reviens. Même temps, je sais pas où est mon chien. Je vais aller voir. Étrangement, il mouille droit.
Fait que ça va, toutes mes fenêtres sont grandes ouvertes, puis il n'y a aucune goutte d'eau qui rentre en dedans, donc ça va, tout va bien. Ouais, mais acheter l'idée. Acheter une idée sur quelque chose de. Sur quelque chose qui sera pas durable. Tandis que l'art, c'est comme un rappel. Tu sais, je veux dire, j'ai de l'art chez nous, là, des trucs que j'ai jamais. Que j'ai jamais vendu, tu sais, que j'ai gardé pour moi. Puis que. Y a aucun concept dessus, là. Même trouver un nom, j'ai de la misère. Putain. C'est genre, je nomme mes œuvres, mais pour moi, ils pourraient toutes pas avoir de nom, pis ça serait pas grave. Je suis peut-être une artiste bizarre, finalement, mais... Comment dire? Je vais juste... faire de quoi avec le fond ici. Voilà. Ah, j'avais déjà du beige en plus sur ma zone d'os. Fait que... Bon. Oui, parce que je travaillais beaucoup de masques. Mais moi, ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop comme. Je sais pas encore comment me définir comme artiste. Tu sais, je fais tellement trop de trucs. Je suis pas une artiste numérique. Je fais des trucs. Je fais de la sculpture sur bois. Gardez la belle preuve de ma sculpture sur bois. C'est de la sculpture sur bois, ça. Je peux vous le montrer avec les détails et tout. Non? En fait, il y a de la fimo. J'ai du bois et de la pâte fimo. Mais vraiment comme cette partie. Oups! Cette partie-là, ici, là, ça, c'est du bois. Mais ça, ça, c'est de la fimo. Ça, c'est de la fimo. Cette petite partie-là aussi, c'est de la fimo. Puis elle aussi. Mais tout le reste, ouais, ça aussi, là, en arrière, là, le filage, c'est pas du vrai filage, sauf la corde à la fin. Mais c'est ça. Sinon, c'est de la peinture, puis de la fimo dorée, là. Mais j'ai vraiment fait comme une lame, là. J'ai vraiment un... Je sais pas comment la montrer, là. Voilà, comme ça, on la voit un peu, là. Il y a vraiment une lame. Puis, moi, c'est en la faisant que je m'étais pété, je m'étais fendu l'ongle au complet. Attends, je la remets sur son présentoir, voilà. Elle est tout le temps sur le haut de mon bureau, là. Ouais, artiste multidisciplinaire, ouais, j'aime ça. C'est vrai que ça fait un beau nom. Il y avait un artiste que ma mère a trouvé, tu sais, quand que, justement, je disais que... Je trouvais que c'était tellement n'importe quoi de commencer à trouver un concept et tout. Ma mère m'a dit qu'il y avait un artiste qui s'appelait Corbeau, qui était une femme. Je connais. Tu sais, j'ai pas été voir plus que ça, mais apparemment, l'outil était pas comme pour le concept de. Faut qu'il y ait un concept absolument sur ton art, puis que. Faut absolument que, que tu fasses tout le temps le même genre d'œuvre. Elle aussi, je pense qu'elle était multidisciplinaire. Mais moi, mon artiste préféré, c'est Hergé Giger. J'aime beaucoup... Oh putain! J'aimerais tellement avoir son livre, le Necronomicon, là, que... Bon, c'est pas... C'est bon. Il y a une tête de chèvre sur le dessus, mais... des chèvres sataniques, mais c'est pas du satanisme, son truc. Là. C'est vraiment comme... Il y avait un... Je sais pas comment l'expliquer, mais il y avait vraiment un concept spécial. Le créateur de Alien, en fait. Je vais en mettre partout.
ça serait fou. Qu'est-ce qui est fou? C'est vrai que j'ai un décalage avec le chat, là, mais il est pas très long, hein, normalement. On a tout accentué ça avec le blanc, vous allez voir, ça va être magnifique. J'aime bien avec la petite ligne de foncé en plus qu'il y a. Ça va l'arranger un peu. Ah ouais, sur quoi je suis? J'étais pas sur le bon, je voulais être sur celui-là, couleur de fond. Tourne sur os. Ah, c'est pas grave, c'est pas comment l'écrire. C'est pas moi qui va te juger. T'en fais pas. Le Necronomicon, ouais, de Hermann Giger. Mais tu sais, c'est qui, Hergé Giger? Il y a des gens qui savent pas c'est qui, non? Mais Alien, c'est juste comme une des créatures, une de mes créatures préférées de la science-fiction, c'est vraiment ça, non? Je trouve génial, je trouve que le concept que... C'est vrai que je dis ouais, les concepts blablabla, mais je veux dire de la façon que ça a été conçu, puis l'idée de la créature c'est quoi? Parce que t'inventes quand même une bête, puis ça c'est... Il y a jamais personne qui va faire comme... Oui, le monstre blablabla... Ben c'est juste un monstre en fait. Non, non, regarde, tu regardes le mien, c'est un monstre de chair, je l'ai dit, il pourrait être... Mais t'sais... J'ai pas précisé exactement c'était quoi, là. Mais je dis juste comme, ouais, c'est un dragon obscur, t'sais, parce qu'on le voit déjà à première vue, il est pas, t'sais, c'est pas le genre de truc que t'as rend familier dans ta poche, quoi. Ça a l'air plus d'un dragon pour nécromancien, t'sais, un dragon qui sortirait du Seigneur des Anneaux, t'sais, comme des espèces de dragons noirs que chevauchaient les Nazgûl. Ah, j'aime vraiment sa cage thoracique, là. L'effet que ça fait. T'as toute beauté. Ouais, il y a juste celle-là ici, faut que j'arrange. Ça, j'imagine, c'est la peau en dessous encore. Ah ah. Je vais venir l'arranger. Qu'est-ce que fait mon poteau? Ah, t'es peut-être pas au courant, mais j'ai un chien! Ah, stop! Puis il est rendu déjà à 3 mois, il y a eu 3 mois la semaine passée. Puis c'est bon, hein, qu'il est rendu quand même tellement grand. Il pèse déjà 30 livres. C'est déjà quasiment le size d'un moyen chien et il a que 3 mois. On va se revoir dans 6 mois, voir de quoi il a l'air, quoi. Je vous le remontrerai dans 6 mois.
Parce que je vous l'avais déjà montré. Je sais même pas si j'ai gardé la vidéo, je pense pas. Si je l'ai gardée, elle doit être en random sur YouTube, mais je suis même pas sûre si je l'ai, si j'ai eu le temps en fait. Parce que ouais. Ah oui, puis justement, si Nel, tu veux y aller sur YouTube, tu auras toute la série au complet de justement du dragon là. Il est vraiment classé dans mes Photoshop là. Que je vais sûrement renommer juste le dragon. Il s'appelle Rollo. Mon chien. Mais il devait être en train de jouer avec sa babiche parce que j'entendais bading badang. Ouais, ça ressemble à ça. Comme le roi des Normands, c'est ça? En fait, c'est vraiment Rollo pour le Viking qui a été converti là, par les Français. Il y a quelque chose que j'aime pas. Il y a des fois, on dirait que. Je sais pas si tu vois comment les pixels agissent. Hein? Je sais pas d'où ça vient, ce petit problème-là. Rollo! Viens ici, mon chien! Qu'est-ce que tu faisais? Hein? Qu'est-ce que tu faisais? Non, mange pas le fil, par contre. Non, c'est pas bon pour le dire. J'ai essayé de te le montrer. Voilà. Il est là, mon chien. Ah, mon beau Rollo. Poutou pou. Ouais. Mais voilà, c'est mon petit. Il a fait un méchant voyage déjà, là. Voilà, je vais plus centrer ma caméra. Des barres chocolat avec du caramel. Non, pas Rollo comme ça, non. C'est vrai que Rollo, c'est une friandise, mais non. Non, c'est pas le chocolat Rollo. Non, c'est vraiment Rollo pour. C'est un nom. En fait, on voulait avoir un nom viking. Il a failli s'appeler Garm, mais mon chum trouvait que c'était trop complexe, surtout quand tu veux l'appeler. C'est vrai que gum gum gum, ça finit par gum gum gum, fait que c'est pas appelé gum. Si ça aurait été une femelle, il se serait appelé Siggy. On trouvait ça beau, Siggy. Je redéfinis la côte. Voilà, ça va faire une belle côte. Je vais juste aller voir avec quoi qu'il joue, parce que j'ai l'impression qu'il joue avec la semelle de la botte à mon chum. Ça serait pas cool qu'il défasse ses bottes à l'eau. Ouais, ça me fait quelqu'un avec qui passer mes journées. C'est vrai que tout ça, mes journées sont longues, mais depuis que je vous ai tous dans le chat, tous, on s'entend que là t'es tout seul, mais quand il commence à avoir quelques personnes dans le chat, c'est cool aussi. Ou de temps en temps avoir des potes qui font des coucous. Je reviens.
ça fait déjà 1h05 qu'on tourne, je m'en étais même pas rendu compte. Ça a quand même plutôt bien avancé. J'avais comme travaillé déjà un peu aujourd'hui dessus. Finalement, je sais pas avec quoi qu'il jouait, c'était... J'ai l'impression qu'il mangeait le plastique dans le bas de la porte patio. Mais bon. Tu dois aller en live. Tu fais quoi comme live? Je pense que j'étais même pas comme. Je savais même pas que tu streamais en fait. C'est nouveau ça, streamer. Je te rajouterai dans mes poteaux comme ça, ben si jamais je stream puis j'ai du monde, je te raid à la fin de mon stream. C'est sûr que toi, j'imagine, tu dois être plus toughness pour faire des trucs de soir parce que j'ai plus un public français, non? Parti comme c'est là. Cool! Hey, écoute, si jamais tu veux qu'on fasse un truc, tu me le diras. Ah oui, moi, et comme 70 français, puis le reste québécois. Fait que moi, ouais, c'est comme un peu dur d'essayer d'arriver puis de dire, ok, ben. Mais là, c'est pas super parce que là, tu vois, avec Guigui, je sais pas si tu te souviens de Guigui, non? On jouait des fois à League of Legends avec. Dans le temps, où est-ce qu'on jouait beaucoup. Mais en fait, je fais des streams plus en soirée avec lui, parce que lui, il est plus disponible en soirée, mais justement, je suis rendue plus tough là, pour streamer le soir. Fait que si jamais, je te raid, puis... Back in the old day, ouais. Ça ramène loin en arrière. Mais ouais, en tout cas, je te souhaite un bon live à toi. Puis, à la prochaine. Moi aussi, là, dans pas long. Mais moi, dans pas long, je vais sûrement quitter, là. Parce que mon puto, il commence à avoir besoin que je m'occupe de lui. Faut quand même faire des activités. Sinon, il va s'ennuyer. Puis, il travaille fort. Fait que. Je vais continuer à le travailler, là. Déjà, il rapporte la balle, c'est déjà pas pire. Il la donne aussi. Parce que rapporter c'est une chose, donner c'est autre chose. Au début, il voulait pas. Maintenant, il comprend que quand il la donne, il y a une récompense, qui est son propre manger. Grosse récompense, comment que on grosse le chien, tu sais.
Ah ouais, 4 heures du matin, waouh, la claque! Hey, je vais faire la même chose. Je vais me noter même ça tantôt. Tiens, je me le note direct là. Je sais jamais comment dire ton nom. C'est pour ça que je t'appelle juste Nell. C'est Fever. Fivex. Même si je connais ton vrai nom, mais je le dirai pas devant tout le monde. Fait que, regarde bien ça, moi aussi, je m'en vais de toute façon. J'enregistre ça là. Fait que de mon côté, ce que je risque de faire pour le prochain épisode, toute cette partie-là, là, toute cette région-là, elle devrait être finie. Voilà. Tout ça, là, ici, ça devrait être fait, là. Plus ça, ici, là. Voilà. Tout ça. Ça devrait être fait d'ici avant le prochain épisode. Puis au prochain épisode, ben, on continuera sur la cage thoracique. Puis... on verra ce que ça donne. Hein? Je sais pas si je vais continuer comme ça ou si je vais pas faire juste de la musculature de chair ou juste de la chair. J'en ai aucune idée. Je sais pas encore. Donc on se laisse là-dessus puis on se dit à la prochaine tout le monde. Portez-vous bien. Allez, ciao!